Et oh yo minasan, c'est Kenjo. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà. J'espère que je vais bien continuer mon aventure. Là, désolé, mais ce sera en, on va dire, en son off, enregistré. Vu que j'avais mon micro coupé. Je sens qu'on nous observe. Donc là, je vais me faire un petit peu défoncer. Fini de jouer. On va dire un robot mécanique. Voilà. Et là, franchement, très mal. Faut pas me chercher. Niveau dégâts, mon arme. Mince alors, je commençais tout juste à m'amuser. C'est comme ça qu'on fait par ici. Ça. Autant que ça serve à quelqu'un, on va dire. Continuer. Là, c'était pour une mission, normalement, que je vais nettoyer, je crois, un peu après. Normalement, une zone. Donc là, je vois au loin qu'il y a la confrérie et tout. Je me dis, ah, je suis déjà passé par ce point. Peut-être, on va dire. Ôtez votre cran de sécurité. Je m'en occupe! Et là, je vois un laser. Ouais, laser autour. Quoi ça? Et je dis, what? Allez, je vais passer. C'est moi qui ai fait ça. Comme ça, quoi. Par la suite, j'avance, on va dire, dans ce port. Et là, je vois un mystère. Oh là. On va se les faire! Cartouche dans la gueule, le deuxième, et le même. C'est gratuit! Ça, c'est ce que j'appelle une élimination confirmée. J'ai une terre qui mine Z. Voilà, et ma caisse ou mon robot. Donc voilà. Ok, bon. Là c'est ouvert. Ah, chouette. Et là je ramasse ce que je peux, quoi. Donc voilà. Là je fouille un peu partout si jamais. Là j'ai. Oh shit. Allo. Merci. Et après, voilà. Donc je regarde le paysage comme d'hab. Sur sur cette chose, on va dire, ce chien, et je gélifie en un seul coup. C'est un peu dégueulasse. Là je me dis, je suis déjà passé par là quoi, parce qu'il n'y a rien du tout. Donc là je vérifie la map, je me dis, what, est-ce que je suis déjà passé par là? Avec l'appartement de Nathan. Ouais. Là, j'ai vu que ça aurait été le parquet. Je me dis, bon, allez, je vais visiter un peu le haut. Hop, c'est parti. Que dalle. Après un peu de sous et des munitions. Après c'est pas grand chose. Ah, enfin. Ok. Là je recherche le disque. Pour pouvoir le lire.
Là, je cherchais en fait directement pas au disque, enfin au lowband. Je m'étais cherché chez autre chose. Enfin, du moins le nom de la personne, pas le holodisque. Holoband plutôt. Là, je cherche comme un idiot là. Là j'ai... Oh shit. Et en plus c'est que je suis passé dessus en plus. C'est qu'est con. Et là j'ai... Ah voilà. J'étais. Message à l'attention de Sal Barsconi. Faut qu'on cause, toi et moi, à propos de Danvers, du merdier Montrano, bref, de tout. J'imagine que t'es d'accord avec moi pour dire que nos tentatives d'améliorer les relations entre le Nord et le Sud se sont soldées par un échec cuisant. On va dire. J'assume l'entière responsabilité du comportement de mes gars. Et j'attends que tu fasses de même pour ce connard de Montrano. Mais ce qui s'est passé à Danvers, franchement, je sais pas quoi dire. Tes gars ont transformé le ciné en abattoir. Ces gens sont morts parce que tu l'as ordonné, pas moi. Et sans raison. Ou alors je suis pas au parfum. Donc il faut qu'on se voit, en privé. On doit causer. Je te laisse choisir le lieu et l'heure. C'était un message de la part d'Eddie Winter. Et là, à ce niveau-là, je me dis, ça me dit quelque chose. J'ai, je pense que j'ai déjà vu un épisode où d'un youtubeur, je me dis lequel, mais c'est Rad. Donc voilà, coucou. Donc voilà, c'est là où il a défoncé on va dire, des connards quoi, voilà. Donc je me suis dit, bon, ben, comme j'ai déjà fait, hein, enfin, en vidéo, on dit moins, je l'ai vu, donc je sais pas à comment tenir. Donc là, je fouille un peu partout, on sait jamais, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, mais j'en doute. Donc voilà, je discute avec ces charmants chevaliers. Pour le moment, chevalier. Hey. Quand j'aurai fini mon tour de garde, je m'offre un steak haché géant. Et là, je me dis, oh chouette, ben bah, tu m'invites, un truc comme ça, je crois, j'ai dit, comme ça pour déconner, voilà. Et après, je rigole et tout. Hey. Après, désolé, mais je peux pas le dire sur mes propres lèvres. Je sais pas ce que je dis. Ils sont là, par ici. Ce sera rapide. Donc ça, je fais grenade gratuite. Allez hop, et loupé. Deuxième. Quelle perte de et temps. Et bingo. En plus moi qui aime pas trop l'eau, donc on va dire sur les. On va bien devoir recharger un jour en fleurs. Sur les comme ça c'est casse gueule. Je jurerais avoir entendu quelque chose. Là je vais un peu franco. Mais celui-ci que dalle. J'ai rien senti. J'ai rien senti. Ouais. Ah ça, je risque pas hein. Putain. Non. Je l'ai bien défoncé pas le la gueule. Bonjour pour venir me faire tuer. J'y vois plus rien. Moi j'y vois. Bon je fais une petite banne hein, on va venir en direct hein. Comment faire. Et voilà. Ah tu meurs. Par là. Allez-y. Donc moi je roule le machin. Enfin, j'y essaye. Et là, oh fuck. Et là, yeah. C'est bon.
des coffres partout, hein. Franchement, ici, oh my god. Joli. Si vous ne videz pas vos poches, on va avancer comme des escargots. Abandonne, ça me fera gagner du temps. Génial. Attention, je vais briser tous les os. Allez, en mode rien à foutre, range ça. Ok, alors faut que je récupère de quoi. J'ai tout mon temps, moi. Ah ouais, t'as tout ton temps, ah bon. Attends que j'arrive, je pense que je vais te la bonne blague. Ça, j'ai un peu avec ces planches là, c'est chaud. Des masses. Là, je lance une grenade, je sais même pas pourquoi. Ça touche même pas. Et là, je fais... Oh shit! Non, non, non! De l'eau! Bon, bah, c'est que de l'eau. Bon, je fais mon acolyte là. Je récupère tout ce que je veux là. Hop. Allez, on ramasse tout. Je vide en fait les trucs qui me servent à rien normalement. Je suis trouvé que j'aurais évité les choses qui me servent à que dalle. Tu rêves, t'entends du rien du tout là. Tu vas crever toi, allez, mange. Ça, on dirait que ça a fait mal. Ouais, ça fait très mal. Oh, j'en mets, c'est ça moi. Ouais. Je crois qu'on a de la compagnie. Oh, ah, putain, mais il y a des coups partout là. Way. Pourtant juré, vous avez entendu ça? Oh. On récupère les munitions qu'il faut. Mais tu vas crever, oui! Bah, c'est toi qui vas crever, ouais. Impressionnant, non?
quelqu'un? Non, y'a personne. Ouais, non, t'as rien entendu, et là, je parle que c'est la décharge, on a trouvé la poubelle. Voilà, je me dis, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ça dans ce chose. Ouais, ça sent l'embuscade à planer, tu vois. Je vais prendre des baltes. Oh, fuck. Mais que dalle ici. Oh my god. Enfin, c'est que je me disais. Là, je fais, oh putain, je veux quelque chose, et là, oh. Eh ben, une caisse. Voilà. C'est nice. Quoi? Oh, on l'a plus qu'une seconde. J'ai entendu quelque chose. Mais non, tu fais des idées. Je les ai tirés comme un débile. Et ça tient pas quoi. Trop loin. Ah si. Je sens qu'on nous observe. Ah, je sais que t'es là. Je vais te trouver. Non, je suis pas là. Génial, voilà que je me fais des idées maintenant. Ah bon. Là je cours comme un dératé, je dis je pense que je vais vous arriver. Enfin je vais du moins arriver vers vous et vous tuer. Hein, je sais pas ce que je raconte. Si vous êtes un pro pour lire sur les airs, à vous à l'aise, mettez-moi ça en commentaire. Voilà, je fais le tour. Toi je te passe comme un poulet Tu crois balèze poulet de Noël. Ça a filé, j'imagine. Je perds mon temps, putain. Peut-être que c'était rien. Ok. Il y a beaucoup de coffres ici, c'est l'idée. Ça y est. Ça, c'est du talent. Ouais, toujours en vie. Bon, lui, il s'est tiré, ça touche. Mais... ouais, ça touche. Ça touche. Où est passé, ce connard? Ah, je me dis, attends, j'ai pas un snipe, là. Et là, je me dis, oh, fuck, mon snipe, je l'ai changé la mire. Je jurerais que je perds mon temps, mon sang. Je touche pas là. Ah si. Je crois qu'on a de la compagnie. Là, je me dis, what the fuck, mais ça se fait aucun dégât. Je commence juste à m'échauffer. Tous les héros.
Putain, mais tu as touché, bordel. Lancer de grenade. Lancer de grenade. Touché. What the fuck. Tombe pas l'eau. J'aime pas cette eau irradiée. Grenade. Il fait rien. Là, je fais les poches. Hop là. On va pouvoir t'en sortir, hein. T'es où, là? Ah, t'es là. Là, t'es tourelle là. Ok, ça. Oh. C'est pas mal là. Oh. Mon bras. Ça va. Ah. Putain. Ah là, toi, la toile. Ça m'a fait mal. Enfin. Ouais, un coffre là. Faut j'en baisser ça. Ah putain, je suis lourd. Oh fuck. Rien à foutre, j'ai des munitions. Putain, mais. Le mec s'est cassé de sauter par là, mais non, ça marche pas. Ok, le bateau est là-bas. Là, je me dis, ma mission, elle est là-bas. Ok, d'accord. Bon, ben, je me dis, allez, on va quand même fouiller un peu ce scénario, on sait jamais. Hein. Un truc intéressant, mais mauvaise idée, je pense. Là, je regarde de quoi pour bouger. Donc, je prends un petit bouffe tout normal. Là, c'est un peu mieux. Endroit. Tiens, mange une grenade, toi. La grenade dans la forêt. Et un macabre de plus à mon compte. Et tout ce que tu sais faire. Ah, erreur fatale. J'adore ce mec. Là, je fais, oh putain, c'est quoi tout ceci? Oh my god. Tout ça. Mec, ça normal. Personne. Ah mais toi t'as l'argent et tout, hein? t'as ce qu'il faut toi. Ah ouais, lui aussi. Bon, alors comment je vais repasser par là-bas? À la FNAG. Ok, puis je tire, hop. Pas les steaks. Fini de jouer. Comment tu jouais toi? Ouais, de la flotte. Tu vas crever toi? Oh merde! Tu vas crever toi! Tu vas me payer! T'as vu? Non, mais what? Mais. Ça. Merde. Oh. Hey, t'as besoin de tir de soutien. Là, je mange de quoi? Eh, hey, tu viens pas? Ouais, je monte là, hop. Et là, je lance une grenade plasma comme un con. Oh, ça l'a atomisé la gueule.
toujours, vu que j'ai récupéré des trucs, ça m'a... C'est un peu le poids. Toi, toi, tu dégages. Pourquoi faut toujours qu'il résiste? Bah... Ouais... Moi j'aime bien résister, tu vois, et te défoncer après. Je crois que c'est pour ça que je disais. Voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. Vu qu'il était plus d'une heure, donc j'ai partagé en deux. Donc, pour la suite aussi, il sera commenté, on va dire, en post-décalé. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. C'était Guincho. Bye bye!